Carmela, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour un tout petit haul nose. J'ai trouvé un peu de tout, du soin, des bijoux, de la nourriture, donc c'est parti. Je voudrais m'excuser pour mes absences qui vont se cumuler, plus ou moins, je sais pas quand. Est-ce que je pourrais faire des vidéos, ça dépend de Minus, de mon état de santé, de son état de santé, voilà. Excusez-moi, je suis saoulée parce que je cours après Minus pour essayer de lui faire manger un petit peu de pâté parce qu'il boude. Je jette énormément de nourriture, hélas, je déteste gâcher mais c'est comme ça. Et il veut pas, il est parti dans la cuisine. Bref, oh là, je suis coiffée comme un as de pique. Donc c'est parti, je vous montre tout ça, ça faisait longtemps. Vous allez voir, j'ai trouvé des choses sympas. Alors en premier, rien de glamour, rien de terrible. Mais j'aime bien mettre ça dans mes toilettes. Ce sont des ronds hygiéniques de la marque Sanicare. Ce sont 10 packs comme ça. Et ça rend l'eau bleue, ça désinfecte, etc. Vous mettez ça dans votre cuve. Et j'ai eu ça à 1,49€. Je les achète régulièrement. Mais bien sûr, en plus, j'utilise du détartrant, etc. De la Javel. Parce que je ne sais pas si ça c'est suffisant, je pense pas. Puis je trouve qu'avec l'eau bleue, c'est sympa. Entre guillemets. Hein. Ensuite, en alimentation, j'ai trouvé des soupes Knorr. J'en ai pris deux. Voilà, je vous en présentais qu'un paquet. Des soupes Knorr, des soupes forestières, champignons, oignons, riz solé. Voilà, c'est sans colorant et rehausseur de goût. C'est naturel. Il y a 3 sachets à l'intérieur. Je vous en dirai des nouvelles. Je ne sais pas si c'est bon. Et j'ai payé ça. Alors, les soupes. Soupe Knorr, 1,59€. Les 3 soupes comme ça. Voilà. À voir. Je sais que j'en mange pas trop des trucs en sachet comme ça. Je trouve que ça fait artificiel. Mais bon, j'ai trouvé ça sympa. Champignons, oignons rissolés. Pourquoi pas essayer. Évidemment, j'en ai pris 2. Si on n'aime pas, je donnerai à ma soeur. Je les ai mis au frigo, mais vous allez les reconnaître. J'en ai pris 2. J'ai pris un lot de 4 yogourts. Enfin, j'appelle ça yogourt, yaourt, yogourt, comme vous voulez. De la marque Pasquale. Ils vont jusqu'en mars 2019. Voilà, vous savez, c'est les creamy. Et là, c'est à la mangue. Voilà. J'en ai pris 2. Et il y a aussi à la fraise. Mais moi, je ne suis pas très fraise. Mais la prochaine fois que j'irai chez Nos, s'il y en a, j'en reprendrai. Je les ai eus à 69 centimes, il me semble, les 4. Voilà, je vérifie. Pack de yaourt, 69 centimes. Voilà, les 4 yaourts, crème avec des morceaux de mangue à l'intérieur. Ils sont trop bons. Ils sont connus sur YouTube. Ensuite, j'ai trouvé dans les soins... Comme je n'ai plus que 4 bains douches pour moi, des petits récipients, quoi, vraiment 200 ml, ça va très vite. Et mon mari n'a plus de Sanex d'avance, donc j'ai pris un Sanex pour une fois qu'il y en avait de nouveau chez Nose en promo. Un Sanex 0 parabène, 0 colorant et 0 rabone. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est en espagnol. Voilà. C'est avec de l'hydratant naturel Ecolabel, voilà, gel de douche comme ceci, c'est le 600 ml. Alors ils ont augmenté les prix, on les avait à 2,79 et là ils sont à 3,17. Faudrait qu'ils arrêtent d'augmenter les prix parce que ça commence à faire un peu limite et moins rentable pour nous, mais bon, c'est toujours moins cher qu'en supermarché, mais ça devient limite, hein. 3,17 les 600 ml, voilà. C'est pour la peau sèche et je pense que je l'utiliserai avec lui parce que comme j'ai une peau atopique avec de l'eczéma de stress en ce moment, je vais l'utiliser également. Voilà, 3,17, j'en ai pris qu'un parce que bon, 3,17, c'est quand même pas donné. Ensuite, j'en ai pris 2 petits pots. Je vais vous en présenter qu'un. Hop. J'ai pris un petit pot à 2,50€. Voilà.
C'est de la marque Terre d'Oléane. C'est du beurre de karité à l'huile d'argan et la fleur d'oranger. Trop mignon. Alors, ça va jusqu'en 2020. Il y a combien de... Il y a 80 grammes. Ça se présente comme ceci. Voilà. C'est un beurre. Hein. Oh, ça sent trop bon. Bien. Je pense que ça se met sur le visage. Alors, attendez. Beurre de karité est l'ingrédient de beauté idéal, riche en vitamines A, D, E, F. Il protège, hydrate et nourrit la peau et prévient les chutes des cheveux. Donc, pour la peau, pour les cheveux, parfumé à la fleur d'oranger et enrichi en huile d'argan, connu pour ses propriétés nourrissantes et adoucissantes. Donc, pour les cheveux et pour le visage et le corps. Voilà, j'en ai pris deux, ça sent super bon, 2,50 €. Oh mon Dieu, on sent bien la fleur d'oranger. Alors, je l'aime pas dans les gâteaux ou quoi, mais je l'adore comme ça dans les soins. 2,50 €. Il en reste encore 5-6 pots. C'est un pot en plastique. Terre d'Oléane. J'ai hâte d'essayer. Ça a l'air hyper nourrissant. Ensuite, en alimentaire, et après, c'est des bijoux. En alimentaire, j'ai pris, on les voit souvent passer au moment de Noël ou après Noël, les chocolats, les plaques de chocolat, vous savez, Collection Premium, c'est de la marque La Casa. Voilà, j'en avais déjà acheté l'année dernière. C'est la tablette de 250 grammes, 1,29 €. Voilà, alors j'ai pris... avec des noix, voilà, 1,29 €, ce n'est pas bien, mais en ce moment, ça donne un peu de baume au cœur avec tout ce qui m'arrive pour Minus, moi et mon mari qui va plus toucher de chômage, etc. 2019, c'est la galère, hein, et encore pire que 2018, mais bon. J'ai pris également, là c'est 230 grammes à 1,29 €. J'en ai pris deux comme ceci. Je les connais, je les ai pris l'année dernière. C'était notre préféré. Toujours la cassa, c'est au coulant de chocolat. Il est très bon. Et franchement, on n'en mange pas beaucoup. Hein, une petite barre, parce que c'est écœurant quand même. Ma soeur n'aime pas ça. Elle trouve ça très écœurant. Moi, j'avoue que j'ai le foie et l'estomac blindé. Donc voilà, 1,29 €. Et enfin, pour finir, hop, je jette le ticket. Des bijoux. Alors, j'ai trouvé à 50 centimes. Je ne sais pas si vous allez bien voir le prix. Voilà. 50 centimes. Un petit bracelet. J'ai acheté ça pour ma filleule. Il est trop mignon. C'est quelle marque? Oh! Petit. Voilà. C'est un tout petit bracelet. Alors, moi, c'est trop petit pour moi. Donc, j'ai pensé à ma filleule. Un petit bracelet comme ça, en serpentin, avec des petites billes de verre. Trop beau, il brille, mais de mille feux. Je pense que vous le voyez. Il est trop mignon. Et à chaque extrémité du bracelet, il y a une petite pampille. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, la petite pampille. Voilà. Trop mignon. Pour un petit bracelet de petite fille ou de jeune fille, il brille de mille feux. Il est superbe. Ce sont des billes de verre. Et en magasin, il était à 5,60 €. Et moi, je l'ai eu à 50 centimes. Elle va être ravie pour un petit cadeau. Trop sympa. Elle va sur 11 ans maintenant. C'est une petite jeune fille. Et elle adore les bijoux. Ensuite, ma soeur m'a trouvé deux paires de boucles d'oreilles. Je ne les avais pas vues. Elles sont trop belles. Toujours 50 centimes. Oups, voilà. Pour cet été, oh là là, c'est trop sympa, j'adore, non mais regardez-moi ça, attendez, que je les mette bien, moi je trouve ça trop frais, décidément, excusez-moi, mes sachets s'envolent, regardez-moi comme c'est mignon, c'est en acrylique, c'est trop beau, hop, voilà, rose bonbon, enfin rose acidulé. Voilà, les ananas, et puis il y a des petits strass. Elles sont superbes. Superbes. 50 centimes. Je ne sais pas si j'ai le prix en magasin, non. Ils sont superbes, ces ananas.
J'adore. C'est hyper gros, mais moi, j'adore. Et pour cet été, elles sont magnifiques. Merci, ma sœurette. Je sais pas si j'ai une marque. Ça doit être espagnol. Trop mignon. Ensuite, une deuxième paire, 50 centimes. Toujours ma sœur qui me les a offertes. Ce sont des fraises, mais des fraises vertes. Trop mignonnes, regardez-moi ça. J'adore, toujours en acrylique. Bon, là, il n'y a pas de petits strass, mais elles sont superbes. 50 centimes, franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer. Trop mimi, trop frais pour cet été. J'adore. Franchement, je les aurais prises. Et enfin, du CNC. Alors, j'ai fait quelques petites découvertes. Tout est à 99 centimes. Voilà. C'était les 2-3 bijoux qui traînaient. Alors, ça fait un peu de bruit. Celles-ci, elles étaient à 5,50 €. Alors, il y en a qui vont me mettre des pouces en bas parce que j'achète trop de bijoux. Je fais ce que je veux. J'ai le droit de me faire des petits plaisirs. Je pars jamais en vacances. Je vais jamais au restaurant. Mon petit plaisir, c'est ça. Mon mari se fait d'autres plaisirs. Et ben moi, c'est ça. Voilà, 99 centimes. Une collection de boucles d'oreilles. Voilà, elles sont trop, trop jolies. Toujours en blanc, 99 centimes. Hop. Look. Oh, je les ai trouvées trop belles. J'en ai plein. Alors, elles-là sont plus crème. Elles sont assez chargées, malgré tout, je trouve. Vous allez voir. Mais c'est les petits Peace and Love et les petits nœuds que j'ai trouvé trop chou à croquer. Ah, attendez, je remets ça bien. Voilà. Alors, ce sont des pinces, hein, là. Voilà, regardez-moi ça. Vous avez vu les petits nœuds, c'est trop beau. Elles sont hyper chargées, hein, faut aimer, hein. Voilà, ce sont des pinces, mais elles sont superbes avec les petits nœuds en métal. J'adore. Trop craquante. Ensuite, dernière petite paire, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. 99 centimes. Je les ai trouvées trop mignonnes et au milieu, c'est une vraie fleur. Donc, c'est trop sympa. Je vous ai pas dit le prix de l'autre. En magasin, 5,50 €, hein, je vous l'ai dit, je ne sais plus, avec la petite Peace and Love et le petit nœud. Voilà, 5,50 €. Non, je me trompe. Bah, 5,80 €. Voilà, avec le petit nœud. Et, pardon, excusez-moi. Avec la vraie fleur, 5,80 €. 99 centimes, regardez-moi ça. Et la vraie fleur se trouve là. Trop joli, très acidulé, j'adore, j'adore moi quand ça pète, quand c'est trop mignon comme ça, avec des petites pampilles, trop beau, j'ai pas ce style, si si je vous assure. Et enfin deux petits colliers, hop, à 99 centimes également, je les ai trouvés à croquer, regardez-moi ça, celui-ci était à 5,20 € en magasin et regardez comme il est mignon. Je vais essayer bien de vous le présenter. Voilà. Il y a une petite fleur, un cube, un petit nœud et un petit rond. Et là, c'est des petites fleurs aussi. C'est trop mignon. C'est très girly, trop mignon. Ma soeur l'a trouvé superbe. C'est un petit rat de cou, hein? Trop, trop, trop chou. J'adore. Je vous l'approche. Toujours en céramique. Trop mignon. Voilà. Voilà, 99 centimes également. Et le dernier, 99 centimes, je l'ai trouvé trop mignon. Je voulais le donner à ma soeur, mais elle n'en met pas de collier. Je dirais, moi, j'en mets pas beaucoup non plus. Alors, 6,50 € en magasin. Voilà. Et je l'ai trouvé à croquer. La chaîne est très fine, très très belle. Et regardez, il y a des petites perles de corail. Voilà,
Il y a un feu sans interdit, une petite breloque, un quart anglais. Hop, trop mignon. Une petite fleur. Et il y a de très jolies perles. Regardez. C'est mignon, hein? Et il n'est pas très, très voyant, c'est discret, c'est chou, je trouve. Voilà. Trop mignon. Et ma sœur qui est fan de l'Angleterre, mais bon, elle n'a pas voulu. J'adore les petites perles, elles sont très, très, très fines, très jolies. Regardez. Je ne fais pas trop le focus. Voilà, là, vous voyez bien. Très, très joli, très fin. Voilà, mes chatons. J'ai mon œil qui pleure. Et bien, cette petite vidéo All Nose est terminée. Vous voyez, ça a été assez vite. J'ai quand même trouvé de belles petites pépites. Il y avait encore énormément de vaisselle. Ça, il y avait énormément de vaisselle. Là, c'est le Nose de Barberey Saint-Sulpice. C'est celui où je vais le plus. C'est le plus petit, c'est le mieux rangé. Et je trouve que c'est le mieux agencé, donc voilà. Et puis, ils sont très, très sympas dans ce petit Nose. Et puis, il n'y a jamais beaucoup de monde, donc ce qui est bien, et en même temps, ce qui est pas bien, parce que les stocks ne descendent pas, donc ça ne tourne pas en article. Mais bon, il y a de belles choses, c'est bien rangé, on peut circuler, ils sont sympas, voilà. Eh bien, mes petits chats, je vous fais de gros bisous, mon petit Minus. Il est tout là-haut, il boude, il me tourne le dos encore. Merci à tous ceux qui ont demandé des nouvelles de mon petit Minus. Il va encore chez le véto, là ça fait un mois que ça dure. On essaie de trouver le bon traitement, si on peut... Alors le guérir, non. Essayer de le soulager, oui. Là il est sous antidouleur. Mais bon, son système urinaire, bah, c'est un vieux chat, hein, il va sur 15 ans, comme dit le véto. Il y aurait une opération, mais elle est trop lourde et je ne veux pas lui faire subir ça à son âge. Ce sera un jeune chat encore. Voilà, je ne veux pas lui faire subir la grosse opération. Et il m'a dit qu'il aurait 80% de risque de mourir sur la table d'opération. Donc moi, non. Je veux bien le soulager. Tant qu'il va bien, ça va. Et puis, si ça ne va pas, bah... On fera ce qu'il fera, ce qu'il faut, ce qu'il faut. Bref, excusez-moi, on fera ce qu'il faut. Mais pour l'instant, mon petit Nunus, à part avoir du mal à manger et puis bon, prendre plein de médicaments pour se soulager, ça va moyen, moyen. On surveille ça. De toute façon, moi, je ne ferai pas de l'acharnement thérapeutique. Je ne ferai pas voilà, du gavage de médicaments ou quoi. Ça ne durera pas des mois. Hein. Mais en même temps, on a toujours peur de le piquer trop tôt ou pas, donc c'est pas évident, on les aime trop. Voilà, alors encore merci à vous, je vous fais de gros bisous, je vous tiens au courant pour Minus. Et puis, j'essaie d'être un peu plus présente sur YouTube, mais c'est pas évident, comme je vous disais, avec mes hospices, les hospices de Minus, les allers-retours chez le véto, en urgence, pas en urgence, etc. Voilà, merci de votre compréhension, moi je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite, et gros câlin aux habitués, un gros câlin également, et un grand merci aux nouveaux arrivés. Moi je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et je vous embrasse très fort, bisous.